Princesse est morte dans un accident, mais son corps doit être transporté au palais dans un avion spécial. Au milieu du vol, l'hôtesse de l'air s'est aperçue que le corps de la princesse avait disparu, et il y a eu un bruit de toux dans la salle de bain. L'hôtesse pense qu'il s'agit d'une farce du commandant de bord et appelle immédiatement le cockpit. Mais le capitaine l'a réprimandé. Finalement, Annie n'a pu qu'entrer lentement et courageusement dans la salle de bain. De façon inattendue, elle a vu le tissu blanc enroulé autour de la princesse au rez-de-chaussée. Lorsqu'elle ouvrit la salle de bain, elle était vide. Alors qu'elle s'apprêtait à pleurer, l'avion heurta une nouvelle bosse. Elle est tombée au sol. Lorsqu'elle a essayé d'ouvrir la porte latérale pour sortir, elle s'est aperçue qu'elle ne s'ouvrait pas, et elle entendit un étrange bruit de toux derrière elle. L'ombre noire se rapproche progressivement de son dos. Heureusement, elle s'est échappée au moment critique. Curieusement, au moment où elle sortait, elle s'est heurtée à un camion de nourriture. Heureusement, elle a pu l'éviter. Il y avait même une ombre noire qui s'approchait d'elle. Réalisant qu'elle avait rencontré quelque chose d'étrange, elle s'est empressée de prendre un marteau pour se protéger, puis a frappé au cockpit pour demander au capitaine d'ouvrir la porte. Mais lorsque le capitaine la vit ainsi, il n'osa évidemment pas ouvrir la porte.